Les allégations fusent à propos de la façon dont Meghan Markle a malmené son personnel. Avant qu'elle et le prince Harry ne quittent leur fonction royale, l'ancienne actrice était aux commandes de son propre personnel. Selon les révélations de quelques sources au Mirror, deux membres du personnel de haut rang ont affirmé avoir été malmenés. Encore selon ces sources, Buckingham Palace compte prendre les choses au sérieux et continue les allégations à ce propos. De son côté, l'épouse du prince Harry est poussée par son entourage à répliquer. La duchesse de Sussex devrait réfuter ces accusations et demander des preuves tangibles. L'auteur royal Robert Lacey avait publié toute une série d'allégations dans une nouvelle version de son livre Battle of Brothers. L'auteur confirme dans ce livre que, le prince William a pris des mesures pour séparer sa maison de celle de son frère après avoir entendu parler du comportement de Meghan à ses collègues. Toujours selon l'auteur, Meghan aurait déjà été confrontée par un collaborateur de haut rang et aurait affirmé « Ce n'est pas mon travail de dorloter les gens. Le personnel n'était pas à la hauteur de son travail selon les allégations. Meghan Markle aurait dirigé son personnel à coups d'intimidation quand elle travaillait encore au palais royal. La source de Mirror affirme que le palais souhaite faire toute la lumière sur cette affaire et s'assurer que ceux qui s'expriment méritent d'être entendus. Sans fléchir, Meghan Markle continue d'affirmer que la faute provient des membres de son personnel. Selon elle, son personnel n'était pas à la hauteur et ne pouvait pas gérer la pression de travailler pour elle.